Que vous êtes beau. Alors, ici, je suis sur une Linux Mint Cinnamon 20.3. Notre ami Clem vient de sortir donc un petit article, hein, donc sur le blog comment réaliser la mise à niveau donc vers Linux Mint 21. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, hein. Sudo apt update, sudo apt install mint upgrade. Grâce au nouvel outil graphique, on réalise la mise à niveau. Et puis après, sudo apt remove mint upgrade, sudo reboot. Rien n'est parfait, tout peut être amélioré. Pourquoi cet outil n'est pas poussé automatiquement avec les mises à jour, hein, régulières? Et pourquoi, eh bien, un petit icône n'apparaît pas dans le menu principal des applications? Un clic et là, le mot de passe est demandé. Et pourquoi pas même procéder à une suppression automatique si la mise à niveau, donc une suppression automatique de l'outil Mint Upgrade, donc si la mise à niveau a bien été réalisée. On peut toujours tout améliorer, surtout que je vois déjà les détracteurs de Linux Mint arriver. Hein. C'est une distribution pour les grands débutants. Attention, même pas les débutants, les grands débutants. Donc, ah, ça va pas. Ça va pas.